Bonjour, bienvenue sur Télé5 Info pour l'actualité de ce vendredi 18 mars 2016. Au sommaire de notre journal, l'enterrement polémique du terroriste Brahim Abdeslam. Puis le lancement de missiles par la Corée du Nord qui affole la communauté internationale. Nous parlerons ensuite de l'attaque surprenante des lions au Kenya, avant de voyager au Brésil à travers un reportage sur les moyens de subsistance des Indiens en Amazonie. Nous poursuivrons ensuite sur le thème sportif avec Karim Benzema, qui est impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Puis nous parlerons du Grand Prix de MotoGP du Qatar. Enfin, nous découvrirons une innovation technologique en Nouvelle-Zélande, un robot livreur de pizza. Nous terminerons ce journal par les prévisions météo de demain. Comme je vous le disais dans le sommaire, nous allons parler tout de suite de l'enterrement du terroriste Brahim Abdeslam avec notre reporter Adeline. Bonjour. Suite à l'attentat du 13 novembre 2015, le terroriste Brahim Abdeslam a été enterré à Bruxelles, en présence d'une vingtaine de personnes le jeudi 17 mars 2016. Pour rappel, le terroriste s'est fait exploser dans le bar Le Comptoir Voltaire, en blessant une serveuse après avoir participé au mitraillage de terrasses de café et de restaurants. Un des trois frères, Salah, est lui toujours en cavale. La dépouille de Brahim Abdeslam est indésirable pour certains. Par conséquent, sa famille qui voulait le rapatrier au Maroc n'a pas obtenu de réponse de la part du gouvernement marocain depuis 2 mois et demi. En conclusion, pour éviter d'en faire un lieu de pèlerinage, la tombe restera anonyme comme celle à quelques mètres de Bilal Hatfi, ainsi que Khalid Ben Larbi, l'un des deux djihadistes tués lors de l'assaut de Verviers en janvier 2015, ayant abouti au démantèlement d'une cellule qui préparait les attentats contre les forces de l'ordre. Adeline, pour votre information sur cette affaire. Parlons maintenant d'un sujet international avec le lancement récent de 2 missiles par la Corée du Nord. Il s'agit de 2 missiles Rodong qui ont une portée de 1300 km. D'après les responsables militaires sud-coréens, ce missile a été retiré de Sukhoi-Cham dans le sud-ouest de la Corée du Nord en direction de la mer du Japon. À 800 km de distance, le deuxième missile est absent des radars. Le président Kim Jong-un a annoncé qu'il continuerait des tests pour améliorer ses performances militaires. La communauté internationale est inquiète car la Corée du Nord parle de faire de nouveaux essais de tir nucléaire menaçant ainsi directement le territoire japonais alors même qu'il lui a été interdit par l'ONU de développer tout programme nucléaire ou balistique. Restons à l'étranger. Cette fois-ci en Afrique avec un fait divers surprenant donc Gulay va nous parler tout de suite de l'attaque d'un lion. Aujourd'hui, un lion s'est échappé du parc national du Kenya, a blessé un homme âgé de 63 ans. La victime a subi des griffures par la bête sauvage. L'attaque s'est passée dans les rues de Nairobi, précisément sur Mombasa Road, une des artères les plus fréquentées de la ville. On se demande pourquoi un lion est-il arrivé en ville. Il faut savoir que le parc national empiète de plus en plus sur la route traditionnelle de migration des herbivores. Le parc n'est pas entièrement clôturé et les animaux se rapprochent donc de la ville. Quelques jours auparavant, d'autres lions avaient été repérés en ville. Il n'est donc pas rare de voir des lions déambuler dans le capital. Par exemple, 2 lions s'étaient échappés du parc et avaient passé une journée à déambuler dans les rues de Kibera quelques jours plus tôt. Mais généralement, il n'y a pas de blessés. Le fauve a été certainement agité par des personnes qui klaxonnaient et qui prenaient des selfies avec la tête. Le lion a finalement rejoint le parc avec l'aide des gardes. Lila, Cecilia et Cyrine vous proposent maintenant un reportage sur les Indiens d'Amazonie. Merci Tsoming. Je me situe actuellement devant le pôle culturel Camille Claudel où a lieu une exposition sur l'Amazonie, les origines et les populations. L'origine des Indiens d'Amérique reste une énigme.
Aujourd'hui, les anthropologues sont d'accord pour dire qu'ils sont originaires d'Asie centrale. L'organisation sociale. Il n'y a pas de suprématique politique. Le chef est seulement le garant, il est conseiller et conciliateur. Ainsi, dans l'ensemble, toutes les sociétés indigènes trouvent leur équilibre dans un climat de collaboration sans contrainte. L'éducation. L'éducation des enfants. Il est établi sur une pédagogie de totale liberté tout en ayant un respect mutuel entre parents et enfants. L'agriculture. Pour obtenir des terres et enrichir les sols, les Indiens utilisent le brûlis. Le manioc est le légume principal. Il représente 90% des cultures. Il est récolté par les femmes. La cueillette d'aliments comestibles se fait à chaque sortie de forêt. La chasse. Les hommes chassent principalement à l'arc. Ils utilisent aussi la sarbacane. La pêche. Les Indiens préfèrent la méthode du chimbo pour pêcher en utilisant des lianes dont le suc toxique est paralysant. La pêche est plus productive que la chasse. Nous sommes en présence d'un habitat traditionnel. La multiplicité des formes de l'habitat traditionnel. Cela va du simple au vent, sur pilotis, en passant par des grandes maisons. Il ne doit pas juste être pratique, il répond aux impératifs religieux, sociaux et économiques. Tous les matériaux viennent de la nature. L'intérieur est composé de hamacs, de nattes, de paniers, vases et baraquos, qui est l'ancêtre du barbecue. Dans les habitations, le foyer se trouve à même le sol. Le village est abandonné après quelques années lorsque le rendement des plantations baisse. Une pirogue ainsi que du matériel de pêche, toujours fait en matériaux traditionnels. Le lien entre la communauté et le monde surnaturel est assuré par le chaman, qui est un sorcier doté de pouvoirs puissants. Il est le guérisseur du village. Après la mort d'un membre du groupe, des fêtes et des danses comportant des imitations d'animaux et des flagellations sont organisées en mémoire du défunt. Selon la tribu auquel appartient l'Indien, il est soit incinéré puis broyé et mélangé à une boisson fermentée qui sera ensuite ingurgitée par le nombre du village. Un grand merci pour ce reportage très intéressant. Passons maintenant à l'actualité sportive qui rejoint parfois la justice avec Daniel qui va nous parler de l'implication de Karim Benzema dans une nouvelle affaire. Le footballeur français Karim Benzema est entendu dans une enquête pour blanchiment pour une société dont il est actionnaire. La société BH Events, dont il est actionnaire, a acheté un fonds de commerce dans le 8e arrondissement de Paris pour y construire un restaurant. Les enquêteurs se demandent si l'achat et la construction du restaurant n'ont pas servi à blanchir des fonds pour partie issus du trafic de stupéfiants. L'attaquant de l'équipe de France, qui a déjà été entendu pour l'affaire Sextape, pourrait bien ne pas participer à l'Euro 2016. Selon le ministre des Sports Patrick Kammer, et le Premier ministre Manuel Valls, en effet, ils ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils reviennent chez les Bleus. Toujours dans le monde du sport, découvrons tout de suite les premiers résultats du Grand Prix du Qatar avec Adeline. Le champion du monde, Jorge Lorenzo, sur la Yamaha, a débuté la saison sur le meilleur temps. Lors des premiers essais libres du Grand Prix du Qatar, l'Espagnol a devancé assez facilement son coéquipier Valentino Rossi et la Ducati d'Andrea Iione est arrivée troisième. Les Honda de Dani Pedrosa et de Marc Marquez, seulement 7e et 8e, sont beaucoup plus loin. Adeline va nous faire découvrir maintenant une innovation technologique surprenante en Nouvelle-Zélande. Le géant de la restauration rapide Domino's a annoncé qu'il allait tester en Nouvelle-Zélande un robot livreur de pizza. Une première mondiale selon lui. Ce robot possède 4 roues, mesure moins d'un mètre et peut contenir jusqu'à 10 pizzas. Il est alimenté par une batterie et des capteurs lui permettent d'éviter les collisions avec les obstacles éventuels. Il est capable de livrer une pizza dans un rayon allant jusqu'à 20 km. Lorsqu'il passe une commande, les clients reçoivent un code qui leur permet d'ouvrir le compartiment contenant leur pizza. Cette invention a été conçue pour que l'ancien Domino's dépense moins d'argent puisqu'ils n'auront plus besoin de payer du personnel pour livrer les pizzas. Aucune date de lancement n'est prévue pour le moment, mais le gouvernement souhaite que cela se passe le plus tôt possible. Merci à vous Adeline pour ce sujet très intéressant. Chers téléspectateurs, Justine vous propose maintenant les prévisions météorologiques du week-end.
Mesdames, Messieurs, bonjour. La météo s'annonce clémente. Pour la matinée du samedi 19 mars, le soleil dominera tout le sud du pays et on aura quelques éclaircies en Aquitaine ainsi que dans le Midi-Pyrénées. Pour le nord, les nuages seront prédominants, hormis pour nos amis bretons et alsaciens qui, eux, auront quelques éclaircies. Et dans l'après-midi, la région PACA, le ciel sera légèrement voilé. Pour le nord-ouest, on aura quelques éclaircies. Et un grand soleil concernera l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. À la veille du printemps, nous serons au-dessus des normales de saison. Pour le matin, une moyenne de 6 degrés sera prévue dans le nord de la France. Et pour le sud, une moyenne de 10 degrés. L'après-midi, les températures les plus chaudes seront en Corse, avec 16 degrés. Et les moins élevées seront dans le Nord-Pas-de-Calais, avec 10 degrés. Pour terminer, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Joseph et nous gagnerons 3 minutes de soleil. C'est maintenant la fin de notre journal. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve très vite pour de nouvelles informations toutes fraîches.